genre mine d'eau douce. On dirait le capitaine Haddock avec genre mille milliards, mille sabords, ce genre de trucs. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends que ça respawn ici? Parce qu'il y a des gardes. Au moins, je pourrais faire les gardes ici, quoi. Parce que je suis pas sûr que l'autre navire, je puisse y aller en vrai. Donc, je vais faire la quête des gardes ici. J'aime bien leur culture marine, quoi. Ça, par contre, j'apprécie. Enfin, je trouve ça vraiment classe. Noshi m'appelle. Je sais combien. J'ai pas vu. Ah, bah, c'est les deux derniers. C'est les deux derniers. Voilà. Cet objectif est atteint. Pour Kul Tiras. Je vais laisser mon marcheur s'en charger. À une prochaine fois. Oh, d'accord, ok. Bon, bah, on va devoir se le faire. Alors le Noshi, je sais pas ce que c'est par contre. Le Noshi m'appelle. Yo! Allez, et cette fois-ci tu te plantes pas en m'y envoyant. Hein. On est bon. On est bon, on est bon. Hey, halte là! Voyons de quoi vous êtes capable. Le Noshi m'appelle. Ok, lui il est bugué. Le commandant, je l'ai. Ok, et il me reste encore un mec. Halte là! Vermine d'eau douce. Putain, il est super supérieur. Bon. Voyons de quoi vous êtes capable. Réclame. Cool, tiras. Tiens. En tout cas, ça me fait du lin, c'est pas trop mal. On m'a sabordé, mes os retourneront à la mer. L'avantage, c'est que j'ai aussi un tauren apparemment qui. Un joueur tauren qui est dans le coin et qui fait pas mal le ménage aussi. Hé, halte là! Ah, est-ce qu'il se l'est fait? Non, c'est bon.
Je vais le suivre parce qu'on va, à mon avis, on va se le faire à deux. Vermine d'eau douce. Le Noché. Non. M'appelle. Je l'ai. J'ai le curseur dessus. Mes os, je retournerai à la mer. Bah écoutez, ben bah, super. Non, c'est pas un torrent. C'est quoi comme. C'est un troll Zandalari. Ok, d'accord. Bon, voilà, on va. Ok. Je récupère le lin. Et on retourne au port. Bien! Moi, bon, à part ce petit problème de fly, c'est plutôt bien passé. Qu'est-ce que c'est? Ne cherchez pas la mort. Je me fais une joie d'imaginer leur hurlement. Rendez-vous. Okay, utilisez le portail vers Boralus et rejoignez Thomas Zelig. Au monastère, Chantourage. Essayez de ne pas vous faire tuer. Bon. D'accord. Bon. Eh bah. Le monastère de Chantourage. J'ai eu de la chance, je me suis pas fait aggro par ça. Étonnamment d'ailleurs, c'est bizarre, j'étais très proche. Cet endroit est mon seul foyer. Personne n'est passé. Quand je pense que j'ai étudié ici autrefois et qu'aujourd'hui. Bref, passons la mission en dessous. Ce que vous avez. Ok, d'accord. Récupérer la boussole de clarté, le bibelot. Des profondeurs, la clé de la mer du monastère, ok. Récupérer 5 tomes de recherche, ok. Et âme déchue. Tuer 8 archivistes, ok. N'oubliez jamais ce qui vous est précieux. Ok. Ah oh bah tiens, en voilà un des. Ah, c'est étrange, il ne dit pas. Ok. C'est vrai que je n'ai pas mon marcheur. Ok. Ah putain, je ne l'ai pas vu. Je voulais voir s'il y avait quelque chose sur la table en fait. Ah, allez, hop, j'accepte, mais. V
vermine d'eau douce. Vermine d'eau douce. Je meurs pour mon clan. Je meurs pour mon clan. Bon. Je vais sauter là, je vois qu'il y a des tomes, je vois qu'il y a... Il y a masse de trucs. Allez, hop. Je me fais pas de soucis, hein. Dès que j'utilise mon drain, je récupère masse vie d'un seul coup. Vermine d'eau douce. De quoi vous êtes capable. Ah, ok, donc j'ai reçu la... Le truc de clarté, là. Je crois que c'est le dernier livre, non? Non, il m'en manque encore un. Bah, il est juste à côté. Non. Je peux cliquer dessus plusieurs fois, mais... Mon âme retourne à la mer. Ici, il semble rien avoir, n'y avoir. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Je meurs. D'abord choisir pour mon clan. Mes os retourneront à la mer. Mes os retourneront à la mer. Bon, j'ai du lin, mais... Je n'ai pas de cible. Là, il y a un mec un peu différent des autres. Là, il faut qu'il soit. Ok, il me faut une cible. Il sort des profondeurs. Par contre, j'ai pas eu le dernier bouquin. Ok, j'ai le dernier bouquin. Ça c'est cool. Ok, qu'est-ce qui manque? Nul n'échappe à son destin. Avec la quantité de monstres que j'ai tués, j'ai pas fini de tuer les ogres. Il me faut... Ok. Je sais pas pourquoi lui, il était un peu plus résistant que les autres. Semble être par là. Nul n'échappe à son destin. Ok, on a la clé de la mer. Et on vient de tuer le dernier. Ok. On verra, hein. S'il me vire du groupe, il me vire du groupe, sinon je reste. Ouais, on peut peut-être passer par là.
Non, j'en doute. Allez, hop, on va rebrousser chemin tout simplement. Alors, si c'est par là, mais... Ouais, ok. Peut-être c'est par là. Ok. Ma famille ne craindra rien, quoi qu'il arrive. Bon. Vous m'ennuyez. Quel con. Quel con. J'ai trois tirés de mob. Ce sont des choses qui arrivent. Et là, par contre, je ne sais... Ok. J'ai vraiment pas fait attention à ma vie. J'avoue. C'était bête de ma part. Non, voilà, ils sont tous ressortis au moins. Toujours ça. J'aiderai la Horde, tout comme elle m'a aidé. Ne considérez pas que la vie va de soi. Chérissez ce que vous avez. Alors, aidez Zelig à récupérer le sceptre abyssal. Ok. N'oubliez jamais ce qui vous est précieux. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Attendez. Non mais attendez, il fallait lui reparler tout simplement. Attendez. Voilà. Il est sympa, c'était cool, mais non. Hop. Cet endroit est mon seul foyer. Ok. Et alors? Comment c'est le rituel? Faut que je... Mes os, je me retournerai au monde de la mer. Faut que je fasse ça? Faut que... Non. On s'est mal compris. Je fais un coup de main. Hein. J'ai pas compris là pour le rituel. Là. Je dois aller où? Je dois faire quoi? Apparemment, je dois rentrer dans ce truc. Alors, soit je monte, soit je descends, je sais pas, mais... Je vais monter, on verra. Perdu, fallait descendre. Échappe à son destin. Là, je suis ennuyé, là.
Plus, je sais même pas où il est parti, résultat. J'ai passé le portail, il est disparu. Attendez, on va faire ça simple. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Kul-Tiras. Tiens. Voilà. Ma famille ne craindra rien, quoi qu'il arrive. J'aiderai la Horde, tout comme elle m'a aidé. Peut-être dans les parages de... Ok. Là, maintenant, il me suit. Ouais, ok. Il me suit même très très vite. Ok, super. Merci de les avoir attirés. Alors, c'est quoi? C'est ça le... C'est ça le rituel. Ok. Mes os retourneront à la mer. Ok, d'accord. Faut faire que je... Je le protège. Je dois d'abord choisir une cible. Absolument que j'utilise dans mon drain de vie, quoi. Ah, ok. Et ben voilà. Oh, je me casse alors. Alors ça m'a dit qu'à rendre, mais à rendre où? Telle est la question. Purée, j'ai encore attiré beaucoup trop de monde. C'est bon, je n'ai pas de cible. Ah, heureusement que j'ai des sorts pour pouvoir... D'accord, ok. Je tente de sortir. On verra... C'est pas là, mais où est-ce que je dois rendre la quête? Je sais pas où je dois rendre la quête.
mieux. Quel danger. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Super mec, merci. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai le sceptre? Qui apparaît pas dans mes... Pour mon clan. Je crois qu'on va devoir la recommencer parce que je peux pas la rendre. On va la recommencer. Je suis désolé, hein. On la recommence une troisième fois. C'est des choses qui arrivent. C'est pas très grave. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il a disparu alors qu'il aurait pas dû. C'est pas très compliqué, c'est juste une... Mon seul foyer. Allez, hop, on y va. Oui, il faut que je lui parle avant. Ma famille ne craindra rien, quoi qu'il arrive. Hop, on y va. Retourneront à la mer. Allez, on commence le rituel. Ok, c'est bon. Excusez-moi, en même temps, voilà, quand un autre joueur parle en même temps, c'est pas forcément évident non plus. Lui, il faut que je réussisse sa vie en fait, non? Je n'ai pas de cible. C'est bon. Ok, et maintenant je peux lui parler. Horde, tout comme elle m'a aidé. C'est ça, donc il y avait un bug. Retournez voir. Ne considérez pas que la retournons au portail. Va de soi. Ok, parfait, nickel. Ok, c'était juste bugué. C'est trop fort rien. Il y a, voilà, il y avait. C'est des choses qui arrivent. C'est un script qui sort un petit peu de l'ordinaire. Alors évidemment, il y a un peu moins de stabilité. C'est
c'est des choses qui arrivent. Et puis voilà. J'attends que les dialogues se terminent, hein. Et puis je vous laisse lire. Je lis aussi, mais... Non, plus. Faites vite. Comme Liliane nous l'a fait remarquer, nous avons un dernier visiteur. Rendez-vous, dit-il. Crachez le morceau. Ah. Oh, ça buguait. Ah non, faut que je le suive. Enfin, faut qu'il me... Que voulez-vous ? Ah non, faut que je... Oui, faut que je le suive. Ah ok, il y a du dialogue, excusez-moi, je n'ai pas vu. Je lirai... Moi, je lirai pendant le... Je lirai pendant le montage, en fait. C'est l'heure de mourir. Allons-nous-en. On a piqué le sceptre et on se barre. Ouh. Ça c'est badass. Je suis Zeus. Ah putain, c'est cool. C'est cool et c'est badass. Ok. Et donc, je rends cette quête. Salutations, porte-parole de la Horde. Ouh. Combien de temps on est là de tournage là? Parce que je commence à fatiguer un petit peu. Bah, ça fait 1h30, mais il faut savoir que j'ai fait un autre tournage avant, donc... Donc on doit être épisode... peut-être 80. 79 ou 80 de World of Warcraft, là. Oh, je commence à... Vraiment, je commence à fatiguer. Le cycle de la haine. Oh. Nous avons recruté de nouveaux champions au service de la Horde, établi plusieurs têtes de pont en Kul'Tiras et dérobé l'un des plus précieux artefacts. Un de leurs plus précieux artefacts. Notre puissance s'en trouve grandie et nos ennemis n'ont qu'à bien se tenir. Sylvanas a de grands projets pour notre Horde. MDG Normand, je vous laisse le plaisir de lui rapporter personnellement vos victoires. Présentez-vous à Dame Sylvanas Courcevent à Orgrimmar. Et j'aurai 800 points supplémentaires. Pour la dame bon. Noire. Ça... Voilà, hein, il me faut 22 000 points pour encore monter de niveau, mais...
Mais ça fait plaisir. Que voulez-vous de moi? Oh, puis j'ai Liliane en... Restez sur vos gardes. En sujet. Voilà. Ouais, je sais. Il faut vraiment que j'aille, par contre, faire la chasse aux ressources de guerre. Parce que voilà. On va utiliser la voie, entre guillemets, normale. C'est-à-dire, on va prendre le bateau et... Quoique... Attendez. Pourquoi il nous dit « Présentez-vous à Sylvanas ?» Ah oui, non, oui, c'est les autres trucs. C'est les troupes regroupées, c'est ce truc-là. Non, on va prendre le navire. On va prendre un truc... voilà. Et donc, on va en Grimard. On va encore se faire harceler. Je vous jure, ça me saoule, mais en Grimard, j'en peux plus. À chaque fois que j'y vais, il y a tous les bas niveaux qui me demandent « Ouais, est-ce que tu as de l'or ?» Et en plus, la plupart me le demandent en espagnol. « Oro, oro, pour favor. » Enfin, voilà. Il me saoule. Qu'ils aillent farmer et qu'ils bossent un peu, quoi. Moi, ma fortune, je l'ai eue à la sueur de mon front. Donnez-moi 100 pièces d'or et je commence à vous faire une fortune. Bon, et encore, je suis pas le pire. Honnêtement, Zari, lui, quand il se décide à faire du business, lui, ça déconne zéro. Bon, Kalimdor. Alors, on va juste en profiter. Ok, faut que je. Alors, attendez. On va même faire plus classe que ça. Considère que je suis en déplacement. Attendez, hop. Je vais sortir du bateau. Voilà. Voilà, on va prendre ces Drake. On va juste faire un. Petit... que je dis pas de bêtises, hein. On est... Ah non, ok. Je pensais qu'on pouvait... Oui, ok, c'est à Sarah. Non, bah ok. En fait, c'était là que je voulais aller rapidement, mais... Non, tant pis. Bah, j'irai ce soir. Parce que je farm un boss pour avoir un rare loot. C'est encore une monture. Et un autre Drake, en fait. Tu es faible. D'accord, ok. Ah là là. Oh, Grimard. Après, en Grimard, l'avantage, c'est la salle des TP, mais...
Donc si dans le jeu vous me cherchez, il y a de grandes chances que je sois à Satra, quoi. Enfin, que je passe par là, quoi. Ça charge un petit peu. C'est un bout de temps que je suis pas revenu ici, donc évidemment ça charge. Voilà. Et donc mince. D'accord. Voilà. Toujours Dame Sylvanas. Notre reine. Salutations. Elfe de sang. Nathanos m'a régulièrement tenu informé de vos progrès tout au long de votre mission. L'Alliance et les Cultiraciens vont trembler devant la puissance de ma horde. Vous voyez, par contre, c'est ça le truc, c'est que on sait, hein, Sylvanas, voilà. Alors, moi, je me suis fait spoiler, je sais pas si vous vous êtes fait spoiler, mais... Sur la fin, elle part vraiment en cacahuète, Sylvanas. Et là déjà, elle dit pas de la horde, mais de ma horde. Le monde est rempli de soldats, mais peu sont réellement faits pour la guerre. Vous, en revanche, semblez vraiment être dans votre élément. La victoire n'est peut-être pas encore à notre portée, mais elle se rapproche. Nous n'aurons de repos que lorsque la dernière étincelle d'espoir aura abandonné l'enfant roi. Kul Tiras est devenu un point de ralliement pour l'Alliance. Le retour de sa célèbre flotte a enhardi les troupes ennemies. Mais ces chiens galeux paieront bientôt le prix de leur insolence. Vous incarnez ce que la Horde a de meilleur. Je sais que vous serez l'étincelle qui embrasera Boralus. Je vais laisser toutes ces phrases se dire. Pour la Horde. Nous sommes encore loin de pouvoir arrêter l'Alliance Amnésie Normand, mais grâce à vous, nous savons désormais comment lui briser les reins. Le sceptre abyssal a été remis au roi Rastakhan pour resserrer nos liens d'amitié. C'est du génie, ça! J'aimerais maintenant vous entretenir d'une affaire autrement plus importante, mais pas ici. Retrouvez-moi à bord de la complainte de la Banshee à Zul'Dalar. Parlez à Sylvanas, voilà. Ok, d'accord. Servez la Horde. Mais c'est génial! On récupère la bombe atomique et on corrompt le royaume qu'on veut... Avec lequel on veut s'allier, ce qu'on fait, c'est on leur offre la bombe atomique, quoi. C'est risqué, hein, comme négociation. Mais en même temps, si ça se tient, ça se tient, quoi. C'est wow, c'est. Wow. Bon. Je vais... Qu'est-ce qui se dit en ville? Moi, j'ai pas besoin d'autant de choses sur moi. Je stocke un petit peu parce que voilà.
Attendez. Ouais, c'est bon, ça a bien été pris en compte et tout. Bonjour Ok, chez vous. super. Bon. Je passe rapidement à l'HV et puis on va continuer ça. Ça va, là ça a l'air d'être calme. Oh, Grimard. Alors, ah oui, mais c'est du niveau. À mon avis, tout ça, c'est du niveau, ça peut être recyclé. Ouais, puis en plus, j'ai même pas passé. Ouais, j'ai aussi du bas niveau qu'il faut que je. Bon. Les produits gobelins construits pour détruire. Attendez. Ah, un client potentiel. Ouf. Ça picote. Ok, tout ça, c'est du stuff que je dois vendre. Revenez vite. Hop. Puis il y a autre chose. Ouais, bah ça, je verrai plus tard. Pour vous, une affaire Alors, d'enfer. hop. On fait un peu de business. Voilà, notamment ça, je sais que ça peut partir. Oula, à ce prix-là. Oh, je tente. Je tente. Ouais, je doute, mais c'est pas grave. Mince. C'est vrai que Chenir, c'est vraiment bien quand même, comme extension pour pouvoir, enfin comme add-on, pour pouvoir, on vend vraiment les choses qui sont au prix du marché, juste un petit peu en dessous du prix du marché, et donc résultat, ça part relativement facilement, et ça part vraiment au meilleur prix quoi. On va augmenter un petit peu là, parce que... Je mets à 200. Oui, évidemment. Voilà. Donc il y a ça, ok. Ça, je crois que ça peut partir. Ouais, ça peut partir. Hop. Ok. Bon, le reste, on verra plus tard. Hop. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Bien. Eh ben, on repartons à Zuldalar. Parce que je voulais. Petite monture. Ah oui, il y avait une autre monture que je devais vous montrer. Cette monture-là, j'ai pas dû vous la montrer. C'est une monture que l'on obtient en faisant des battlegrounds. Quand on atteint, en fait, je vous montre, quand on atteint le niveau 15 de niveau d'honneur, en fait, à chaque fois, on a une récompense, et généralement, c'est une mascotte. Mais au niveau 15, c'est une monture, et c'est cette monture, donc le coursier de bronze prestigieux. Voilà. Donc, j'ai... C'est une monture qu'on obtient donc en faisant des battlegrounds. Et c'est. Oh, c'est classe. Elle peut pas voler, évidemment. Mais c'est une monture terrestre. Donc pour les BG, ce genre de choses, elle est assez pratique. Et donc elle remplace mon. Mon. Enfin, elle remplace. Je peux toujours l'invoquer, hein, mais mon. Mon destrier en feu, là. Mon destrier de l'effroi, ça doit être ça. Zuldalar.
Voilà. Pourquoi? C'est quoi ce délire? Dazar alors. Je sais même plus où c'est Dazar alors. Ah d'accord. Ah non, c'est celle de... C'est là non? Dis pas qu'on peut pas déjà... dites pas que ça a débloqué... Bon, on verra, mais... Ah non, ça a disparu. À mon avis, c'est des mages qui se sont amusés, ça. Mais je voyais pas où ça amenait, en fait. Bon. Pas grave. Donc... De toute façon, voilà, on va parler. Tel est notre objectif. Qu'attendez-vous des Andalari? Donc la reine, quand même, qui se déplace jusqu'à Zuldalar en personne, quoi. Oh, si on pouvait avoir Sylvanas et Rastakhan qui sont face à face, purée. Assister à la négociation pour que les Andalari acceptent de l'alliance avec la Horde, quoi. Aïe, 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 aïe. Ah, ça serait... Ah, ça serait prodigieux. Ça serait... T'aurais vraiment l'impression d'assister à un moment historique, quoi. Et merde. Eh ben, ça va. Le fly a bugué, mais je m'en... J'ai survécu. Il y a bonne nouvelle. Donc, Dame Sylvanas, elle est là. C'est... Ah d'accord, c'est Derek. Servez-moi, et vos efforts seront récompensés. De quoi souhaitiez-vous me parler, chef de guerre? Laissez contempler le fruit de vos efforts, Derek Port-Vaillant. Le cadavre que vous avez repêché au fond de la mer. Derek sera une arme stratégique dans notre guerre contre Kul Tiras. Une dague a plongé droit dans le cœur de la maison Port-Vaillant, au moment propice. Et grâce à vos exploits, la Horde dispose de la puissance de la flotte Zandalari. Il ne nous reste plus qu'à finir de briser nos ennemis, et nous aurons remporté cette guerre. Donc c'est ok ? Rastakhan, il a donné son accord ? Non! Ah, génial! Ah, c'est génial! Ok. Bah écoutez, ma reine, je suis flatté. Et donc, il faut que je retourne voir Nathanos. Les Andalari ne me portent guère dans leur cœur. Privation d'Azerite. Les Cultirasiens et l'Alliance acheminent d'énormes quantités d'Azerite et d'armes forgées avec... Attendez. Armes forgées avec... Ah d'accord, d'Azerite et d'armes forgées avec dans la rade de Tiragard.
La victoire de Kul'Tiras sur Dame Corsandre et sa campagne et sa compagnie leur a fourni de nouvelles sources d'approvisionnement. Nous devons les priver de ces armes et du minerai sous peine de nous faire déborder. Accompagner Zelig dans la rade de Tirigard pour y retrouver Rexar. Et je vous charge de vous mener l'assaut contre leur stock. Et vous revenez et ne revenez pas avant d'avoir arraché la victoire. Ok. Essayez de ne pas vous faire tuer. Vous savez que c'est pas dans les habitudes. Bon. Écoutez, sympa, mais moi j'ai envie de faire une pause. Hein. On va continuer encore un petit peu. J'ai un petit peu de temps. Hors de... Eh ben, cette extension, en tout cas... Et ouais, je suis aux endroits, là. J'aurais dû prendre... Non, non, c'est bien ça. Mais par contre, ouais, en passant par Drusvar, j'aurais pu... je vais prendre le fly, en fait. Il y a bien un fly dans le coin. Il n'y a pas de fly, mais bon. Il y a un fly là, c'est ça? Voilà. Docteur. Et donc... Oh, c'est parti.